Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion de live du Not So Berry. Vous voyez, là à l'opposé de moi, il y a le chat de Twitch. Je l'ai mis à cet endroit-là. Bon, c'est assez petit. Si vous êtes sur, si vous êtes sur du ordinateur, peut-être que vous arriverez à voir et suivre. Si vous êtes sur téléphone, ça m'étonnerait que vous arrivez à voir. Mais bon, on va tester ça aujourd'hui. On verra bien si ça passe, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. C'est Cucul YouTube. Voilà. Et Chantal est toujours là pour nous accompagner, évidemment. Et j'ai demandé, évidemment, aux gens du chat d'être polis, de pas dire trop de bêtises, parce que cette fois-ci, ils étaient lus. Bon, on est parti. Donc, on était de retour avec notre famille Rainbow. Les enfants et les petites filles ont été relookés. D'ailleurs, tout le monde va se coucher. Mais je n'ai pas changé la couleur de cheveux des jumelles parce que bon, ça ne servait à rien. Et comme ça me permettra de les différencier. Puisqu'on a maintenant trois bambines. Donc, qu'elles aient la couleur de cheveux différente, ça m'arrange beaucoup. Voilà, c'était pour la petite histoire. Et elle, ça y est, elle va commencer à me casser les pieds. Toi, t'as toujours tes poivrons sur toi. Ouais. Les poivrons magiques qu'elle a mangés et qu'elle a gerbés et qu'elle les va les remanger. Qu'est-ce que... Ah non, mais attendez, il y a les trois qui se lèvent, là? Moi, elle est trop chouquette! Regardez-moi ça! Elle est trop chou! Ça, c'est Lila. C'est Lila? Si est-ce les trois petits cochons? C'est Lavande. Si est-ce les trois petits... Ouais, ah bah oui! J'avoue! C'est un petit peu ça. Bon, c'est pas prévu qu'elle soit deux, hein, que la dernière fournée soit double. Bah, il est debout aussi, lui. Qu'est-ce que... Hé, hey, t'as pris de la brioche, là, hein? Dis donc, ça ne va plus. Et quelle heure? Ah oui, 7h30. Non, tu vas prendre une douche. On est quoi? On est lundi? Ah, mais il fait nuit, Tu me diras, comme dans la vraie vie, hein, mais... ça me perturbe. Ça me perturbe. Donc, elle dort. Elle est partie bouffer je sais pas quoi. Bah, elle y va, hein. Elle a grandi quand? Bah, dans 2 jours. Donc, à mon avis, ce sera aujourd'hui. On va la voir grandir. Bon, elle, c'est pas celle qui m'intéresse. Hein. Je veux pas être méchante. Pour moi, ce serait plus les jumelles. Oh, elle va faire son petit caca! Oh, elle est trop chouchoumi. T'es quoi déjà, toi? Allez, on va travailler à la maison parce qu'il y a des gosses. Et c'est comme maman, elle a une carrière qui est pas active. Faire une enquête sur un produit. Faire une enquête sur un produit en parlant à d'autres Sims. Mmh. Optimiser la conception du matériel. À l'aide d'un ordinateur. D'accord, ok. Oh, ok, qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse. Si, dégueulasse. Tu as bouffé, toi? T'as encore faim, hein. Papa, tu veux pas faire à manger? Il y a toujours un truc qui pue, moi, dans cette baraque, là, dans le frigo. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est là que Sienna débarque et se lâche. Comment ça, t'as raté un truc, Sweetson? Ah bah oui! Si tu... Oui! Oui, si t'as raté... Pourtant, c'était il y a 2 semaines, hein, déjà. Je sais pas ce que t'as raté, mais t'as sûrement raté ce qui s'est passé il y a 2 semaines, je pense. Les gens de Twitch sont dans le turfu comparé à YouTube. Je sais pas. Marie est pas encore là pour dire des conneries. Non, mais elle a pas intérêt. Non, je la fouette. La flemme de faire à manger. Noël s'est passé. Oui, c'est passé, Noël. Moi, j'ai enlevé le... Ah non, oui, faut que j'enlève le... Effectivement, faut que j'enlève le sapingue. Je l'avais oublié. De toute façon, je le vends parce qu'on peut jamais le réutiliser, ces trucs-là. Bah, sinon, tu sais, Georgette, tu peux quand même jouer. Ah non, faut que t'ailles pisser. Non, tu vas pas demander un... Ça revient, oui. Elle s'est pas encore pissée toute seule. Maman. Maman. Elle est sur le pot. Oh là, mon jeu, il est en moitié en grève aujourd'hui. C'est dit, wow, commence pas. Oh là, elles sont rouges de colère. Ouais, bah, tu vas descendre. Papa, il fait à bouffer exprès, là. Va. Et ma petite biche? Pourquoi? Bah parce que... Tu vas rien demander à ta mère aussi, tu vas descendre, tu vas aller dans la cuisine comme ta sœur. Allez hop.
Papa, il fait des pancakes pour toute la famille. Oh, quelle est la chauve? Je crois qu'on avait eu un problème, elle venait plus. Oh, ils savent pas se gérer, ces Simpsons. Mais va pisser si tu dois pisser, mon grand. Qu'est-ce que je te dise, moi? Ah ouais, du coup, ça va être... Ah, bourrez-vous, non? Ah bah non, devant sa femme et sa fille. Allez, ça passe. Regardez, le train des bambins. Le train des bambins. Qu'est-ce qui est vide? Mais non, c'est pas vide. Salut, attendez. Ah oui, quoi, oui, je suis bête. Moi, salut, Elios, comment tu vas? Instant famille au WC, c'est ça. Oh, c'était dans mon Ugly to Beauty Legacy Challenge. Oui, le nom à rallonge qui plaît toujours. Pareil, ils avaient toujours l'habitude d'aller dans les chiottes à un moment donné pour parler. Je dis, mais c'est quoi ce nouveau lieu de rendez-vous, là? Certes, les toilettes étaient assez grands, mais quand même, ils étaient toujours fourrés dans les chiottes pour discuter. Tu dis, ok, très bien. Ah, ça cacate, hein. Ah, elle pousse, hein. Mais qu'est-ce que tu... Pourquoi tu fais rien de ta vie? Va courir. Non, tu vas faire... attends, on a une machine de torture exprès. Tu vas faire un peu de... entraînement, là. T'as pris de la brioche, là, mon petit Adonis, là. Il faut bosser. Quoi? Mais... Qu'est-ce que j'ai fait? T'es bloqué? Quoi? T'es bloqué à cause de quoi, là? Mais c'était sa gosse qui l'empêchait de vivre. Et voilà la chauve qui est plus chauve. Et notre femme de ménage, elle est là. Mais elle a des cheveux, c'est plus la même en même temps. Donc, c'est le bordel. C'est le bordel. Mon maman, tu travailles quand? Non, Minnie, on n'a pas le temps. Bah, travaille pas. C'est merveilleux. Étudier l'adversaire. Étudier l'adversaire. Tu veux pas me donner des précisions? Bon, je crois que c'est sur la télé. Parce que j'ai vu Crime le faire, mais quand même. Étudier les adversaires. Oh là, dis, tu vas te calmer, Lavande. Moi, je vais te foutre au piqué. Hein. Tu veux parler? Ben parle, mordre. Maudit, saleté. Tu vas babiller avec tes filles, tes sœurs. Alors oui, bah, elles se sont partagées le pyjama. Il y en avait qu'un seul, hein, de violet. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc du coup, il y en a une, elle a tout en entier. Il y en a une, elle a que le haut et une couche. Et l'autre, elle a un t-shirt et le bas. Alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça va, Elios. Ça change. Eh oui. Ça discute? Bon, elle va nickel, Lila. Hein. Elle a besoin d'attention, quand même. Mais Babi, avec ta maman, avec ta soeur, j'en sais rien, moi. Hein? Hein? Ah, Babi. Babillon, tous ensemble, toujours commun. Parlez de super, vas-y, comme ça, vous parlez tous entre vous. Ah, madame, il y a encore des assiettes ici, je crois qu'elle a envie de se suicider. Elle dit, j'ai jamais vu une baraque aussi dégueulasse. Lui. Non mais je t'ai demandé de faire du sport. Bon allez, ouf, casse-moi pas les pieds. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Après, il faudrait que tu fasses, je sais plus. Faire une enquête sur un produit. Tu demanderas à ta femme. Oui, c'est ce qu'ils sont mariés, c'est vrai. J'ai oublié qu'ils étaient mariés, donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment ça. Attendez, il doit y avoir un truc exprès. Qu'est-ce que tu fais, Tyrion? Tu fais pas de débile avec ma machine, je t'ai déjà dit. Non! Phil! Phil! J'ai ma machine à coudre qui est posée par terre avec le sachet par-dessus. Et du coup, comme il fait joujou avec des sachets, parce qu'il y en a plein dans la baraque, parce que ça fait du bruit, les sachets. Ce truc en plastique et tout. Donc en fait, il se dit, ah, super, à nouveau! Bah oui, mais non, là, par contre, tu déconnes, c'est ma machine à coudre, donc tu touches pas au truc. Quoi. Et qu'il veut quand même s'y foutre dedans, quoi. C'est...
les pieds. Je trouve pas. Et optimiser la conception du matériel. Est-ce que ça peut être là-dessus? Parce que bon, c'est cette carrière, moi je la connais pas. Hein. Carrière. Ingénieur. Oui, bah tu iras faire ça. Voilà! Moi j'adore les jouets! Ouais, moi aussi, c'est trop bien! Oh là là, ça me marmaille! Mais marmaille! Au moins, elle viendra pour quelque chose aujourd'hui, elle! C'est parti faire! Ouais, elle est bien, Lila! Elle est pas relou! Et l'autre, il a traversé toute la maison pour aller mettre son assiette là! Il aurait pu la mettre là! Il aurait pu la mettre là! Il aurait pu la mettre là. Il aurait pu la mettre là. Non. Là. Casser les pieds. Bon, alors la plus grande, va falloir qu'on la lave. Et la vente, va falloir qu'on lui parle. Casser les pieds aussi. Tu lui mets la journée. C'est honnête que t'as sur les chats pour coûter ce que t'as... Que t'attends un petit kiwi. Hein? Hein? Ça tenait qu'à moi, j'aurais empilé de suite avec un second, mais Marie n'est pas chaud de suite pour le moment. Tu m'étonnes. Il a vu ce que c'était d'avoir un gosse, il s'est dit non, merci. J'en veux plus. Attends, quoi? Mais il se passe un truc, là, et... Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Et lui, il bosse. Lui, il bosse ses pecs et ses abdos. Regardez-moi toutes ces gamines. Bon, la meilleure, elle est là. Enfin, je dis la meilleure, mais... elle nettoie tellement, elle. Parce qu'en fait, c'est celle que vous vouliez pas appeler. Donc, moi, c'est ma préf pour l'instant. Après, je dis pas à la petite blondinette, là, avec ses yeux comme ça, là, maman. Hein. Ah, j'espère qu'elle sera jolie, hein. Pas comme ça, là, pas comme elle. Mais c'est bon, t'as pas d'attention, là, ou comment ça se passe hein? Tu vas faire des grimaces, alors? Ah, ça y est, l'attention remonte enfin. Non, mais ça commence à être long, hein. Toi aussi, il va faire une grimace à ta fille. Bon, tu fais ta grimace? C'est bon, c'est remonté? Bon, toi, est-ce que t'as étudié ton adversaire? 75%. Allez, étudie ton adversaire, après t'iras pisser. Tu pourras travailler, bosser avec tes boss. Bosser avec tes boss. Parler avec tes gosses. Rien à voir. On verra. Qu'est-ce quoi? 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 Qui c'est quoi? Myriadoc Davidson. Être une nouvelle espèce signalée dans les lieux. Mais qu'est-ce que je m'en fous, lui? Il est où? Je ne connais pas, ce mec. Enfin, si, on le connaît, mais il est pas chez nous. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il a appris qu'il y a un nouveau poisson? Faut se calmer, hein. Et hop, tu ferais la douche. Après, t'iras sur le PC faire ton truc, là. Carrière, ingénieur. Voilà. Ah, allez, moi, c'est croquettes, là. Le trio de croquettes, là. Faire des grimaces. L'habiller. C'est bon? Ah bah voilà, t'es bien, là, cocotte. Alors, lui, il a fini sa douche. Tu vas aller chanter sous la douche. On en profite qu'elle travaille pas. Qu'est-ce qu'on va lui faire avancer? Éducation 5, fitness 8. Et puis, c'était... quoi? Le chant. Il est où, le chant? 7. Oh, on va faire chanter. Non, elle va aller courir. Tu vas faire une course d'endurance. Tu vas aller courir. Le fitness, c'est plus chiant. Voilà, papa et maman.
sont occupés. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Voilà, en plus, regardez la grande chambre, il y a une cheminée et tout, c'est pas la classe quand même. Ils ont de la chance, ces gosses, hein, quand même. Ils sont bien faites et tout. Ah non, j'allais te demander d'aller au pot. Plus t'es relou. T'es indépendante, la vente, t'as pas à te faire dessus, hein, t'es dégueulasse. Hein. Par contre, elle va devoir apprendre. Bientôt. T'as fini? Il y a une de tes filles qui a besoin. Oh putain. C'est long. Bon bah elle se chira dessus, hein, tant pis. Hein. C'est pas être Shiran, c'est elle se chira dessus. Chira dessus. Rien à voir. Salut Alexandre. Alexandre. Salut Tinchelli aussi. Comment allez-vous? En fait je me suis endormie au dernier live ou quoi? J'ai loupé l'anniversaire des morveuses. Bah moi j'y peux rien, hein. C'est tous les... Il faut regarder l'ardif les enfants s'il faut. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez loupé des trucs, mais bah elles ont popé, oui, la semaine dernière, elles sont devenues mambines. Elles s'est chier dessus. Ouais, elle pue. Va falloir laver les gosses. Hein. Non mais qu'est-ce qu'il a l'ex encore? Ils ont quoi les ex dans ce jeu? À harceler les meufs là. Ça lui fait des nichons bizarres, non? Un peu? Un petit peu. Elle est gaulée. Hein. Moi, dans ma vie, je vais être nuage. Pour être gaulée. Bon, après, elle fait tellement de sport aussi que ça aide. Hein. Mais bon. Il va peut-être aussi falloir s'occuper de son aspiration. Faire de l'exercice pendant 10 heures. Oh, bon, c'est bon, ça marche. Là. Ça fait partie. Tant qu'à faire, on s'en fout. T'as fini ton truc? Putain, c'est long. Ah oui, après, il faut s'occuper des gamines. Hein. Tu vas faire des bains, moi, je te le dis, hein, Jean-Pierre. Voilà, il a gagné une partie. Il va faire une enquête sur un produit, ça, on va voir ça. Alors, qui c'est qui pue? C'est le parpu, certes. On va laver Lila en prums. Je sais, c'est pas celle-là qui demandait le plus d'attention. Mais elle sait toujours pas y aller. Oh, mais si! Oh, merveilleux! Prune a réussi à aller au pot toute seule! Bien. Prune est portée disparue. En la vraie. Ben après, si les gens ont repris le boulot, voilà. Je me suis endormie avec toi. Super! Je me suis réveillée avec Crime. Je me suis dit, ah ouais, ok, je crois que j'ai une panne de paupières. Une panne de paupières, c'est mignon. Mais peut-être, je ne sais pas. Moi, je. Mais non! Mais non, madame J, hier j'ai chanté ta chanson. C'était en fin de live, donc t'étais là. Tu t'es endormie entre temps? Non, c'est impossible parce que j'ai mis la super chanson. Qu'est-ce qui se passe? Ah, résolution tenue. J'ai eu peur. En général, quand ils te font ça avec un zoom sur le Sims, c'est un mauvais présage. Hein. Tu m'as fait peur, nuage. J'ai eu la peur de ma vie. Tu vas repousser tes limites. Tant que tu travailles ton fitness, tu me fais ta Nelly. On est à 8. Fais comme ton père. Et j'ai rien vu de la journée. Il est déjà 8h du soir. Alors, la première gamine est lavée. Super. Bon, maintenant, à la fin. Putain, les relous, ces gosses. Ils ont toujours un truc qui va pas. Ils ont toujours un truc qui va pas. Tu vas pas me la casser. Oh, je te le dis. Qu'est-ce que c'est, machin? Alors, tu veux le frapper si tu veux. Mais tu le feras pas, tu babilleras. Alors, il faut que tu laves, elle. Il faut que tu laves Prune. Elle pue aussi, Prune. Hop. S'il te plaît. Oh, la vache. Toutes les morveuses. Non, tu vas pas faire de la gogole non plus dans les chiottes. Oh là là. Les pancakes sont pourris. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Parce que... Ah, il y avait encore ça. Bah tiens, tu vas venir manger. Toi, tu vas venir manger aussi. Et arrête de taper ta crise. Oh là là. Mais on va aller voir Nuage. Ça se passe bien quand on est avec Nuage. C'était mardi la chanson. Ah, c'était mardi, c'était pas hier. Je me souviens plus. Après, si elle est trop choupinou. On verra bien en grandissant. Elles seront peut-être pas belles. Hein. Au moins, elles auront un point positif. C'est la couleur de leurs yeux. On verra. Re-Clara.
Ah, c'était mardi, d'accord. Je sais plus. Huit heures. Allez. Si papa, il a fini de faire le bain? Mais c'est bien. Mais papa, il va faire pipi? Il va venir se divertir aussi. Pendant que les gamines, elles vont encore manger. Prune! Viens manger. Au lieu de dormir là sur le. Sur le cou. Elle a un lit, hein, mais non! Putain, elle galope! Allez voir ça. J'en peux plus, trois gosses. Ouais. Ce j'ai mis en accéléré. Pourquoi tu manges pas tout? Tu mets. Tu. Alors tu peux aller te coucher. Elle était de quel côté, elle? Lila, je crois qu'elle était là. Elles sont toutes vénères! Elles vont toutes tuer quelqu'un. Mais papa, occupe-toi de tes fesses, va manger, je te l'ai dit en plus. Ah, ça m'énerve. Dès qu'il y a des bambins, les Sims, ils obéissent plus. Ça me saoule! Oh. Alors, tu vas pas taper de crise? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle s'évanouit. Super. Tu vas te coucher après. Hop! Pouf, hop, le cul en l'air, parce que dans les Sims, ça se comme ça se passe comme ça. C'est les culs en l'air. Et toi, tu vas pas t'énerver non plus, tu vas être couché. Ma petite Lila, elle a réussi. Tout n'est pas perdu. Ça se passe! Oula! Et c'est l'aspiration, donc on a 8 et demi. Ah! Atteint le niveau. Ouais, c'est bon, on est quasiment à la dernière truc, non? Attendez, c'est où l'aspiration? C'est là. On est au dernier, donc on va pouvoir finir l'aspiration juste en atteignant le niveau 10. Et au boulot, il y a aussi le charisme. Oh, c'est chier. Bon, allez, vas-y, arrête. Tu vas aller manger, tu vas prendre une douche. Chanter sous la douche même. Il est triste. Oh pauvre. T'as une triste vie, mon petit. Assis-toi. Oh non, t'as tout. Tu vas te ban, t'as tout. Pidoza prête. Je vais manger à toutes. Bon appétit à toi. D'ailleurs, ma formation est un Quentin et dès qu'on a fini ce petit prénom, j'entends Charlie gueuler. Quentin! On est inscrit dans l'esprit de Charlie à chaque fois qu'on croise un Quentin. Quentin sera dans vos têtes toute l'année. Oh bah ça date déjà de l'année dernière, le Quentin. C'était justement dans le nôtre Sauberie, première génération avec Pepper. Et il y avait un. En fait, c'est parce qu'il y avait un collègue à elle, à Pepper, que j'allais toujours emmerder parce que c'était le seul. Bah, il était gentil, tu vois. C'était le voisin en plus. Et. J'allais toujours lui demander ouais un métal, un machin, un ci, un ça, et en fait au bout d'un moment j'étais là, ah oh, il faut demander encore un collègue, et là je suis là, Quentin, où es-tu? C'était rigolo. C'est aujourd'hui tout le monde a les fesses en l'air, hein. Je sais plus les gérer moi les Sims. Mais oui, tu vas te divertir. Oh là là. Prune, qu'est-ce que tu fais encore debout? Putain, j'en peux plus. Ce que je vous dis, moi, j'en peux plus. Elle, c'est une rebelle, celle-ci. Oh! Bon, arrêtez de parler. Bon, bah, t'iras pas te doucher, c'est pas grave. Vous allez aller faire crac-crac. Crac, boum, u. Pas de bébé, hein, juste crac-crac. 2 heures du matin? Ouais. Il est temps d'aller faire du sport en chambre. Tous ensemble, ouais! Salut, ça va monter son divertissement au top. Après, il est très fatigué. Ah, quoique, il y a déjà des feux d'artifice. Parce que bon, j'aurais pu dire qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il faut, mais. J'ai essayé d'endormir mon neveu, mais il veut pas dormir, de regarder le live avec. Oh là là, c'est pas pour les enfants, hein. Donc, courage, parce que quand tu commences à regarder les lives de Charlotte, tu peux pas t'en passer. Bah. Ouais, en tout cas, il y en a qui s'endorment dessus. Donc. Oh non. T'as réveillé ta sœur! Tu peux pas aller au pot, toi.
Elle va dormir. C'est ça le problème, hein. Avec sa petite, le petit feu de cheminée, là, bien, bien comme il faut. Et hop, elle va se faire dessus. En même temps. Il faudra déjà relaver les gosses. Je ne savais pas que ça se salissait aussi vite. Les chières. Attends, ça porte bien leur nom. Oui, c'est ça, mais il est pas prêt de dormir. Bah, sinon, si tu lui tapes sur la tête un bon coup... Mais dors, toi! Il va s'endormir. Bon, dans la vraie vie, je te le conseillerais pas, parce que ça peut t'apporter des choses pas très sympathiques, ni pour lui, ni pour toi. Mais ça peut être une technique. Hé, va dormir. Lavande, va te dormir. Tu te tais? Ta gueule, tu es moche. Non, c'est pas vrai, on sait pas. Je sais pas si elles sont belles ou pas. J'ai voulu passer un petit moment, malheureusement il est 22h sur mon île et j'ai cours demain. Eh bah écoute, bonne soirée à toi Winnie. Merci d'être passé, à très bientôt. C'est Wiki, oui, bah oui, plus oui. C'est la réunion. J'ai pas envie de répondre, Elios. Ça, si, ça dépendra de ta réponse si tu mérites un ban ou pas. Mon oncle m'appelle Kirikou, je suis ton neveu. Bonjour, mon nom, je m'appelle Kirikou. D'accord, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore debout? De quoi? Qui c'est qui est mort? Y'a personne qui est mort. Ah, elle a mis sa super tenue de la mort, j'aime ça. Voilà! Tu peux tirer la chaise quand même parce que c'est pas classe ce que tu fais. Tu viens de péter ou c'est moi? Non, c'est moi. Non, bah, elle est crasseuse, hein, donc elle peut très bien péter. Tu viens chanter? Tu viens chanter sur une plage, sur un oreiller, au fond d'un drap ou dans un vieux grenier. Ouais, hop. Je sais pas quelle heure elle travaille. À 14h, on a la time! On a le time! Toi-même, tu sais. Et papa va rester à la journée. Si je mets pause, on va pas avancer. On est mardi. Facture. Bah pourquoi on a une facture le mardi? J'ai l'impression d'être dans un autre espace-temps. Là, c'est très chelou ce qui se passe, non? Vous pensez pas que c'est bizarre? C'est mon nez. Bah super. Bah il faut mettre des tampons dans ton nez, Elios. Pauvre sa mère ni son père sont là, donc si... Quoi? Lille? J'ai pas compris. Et bon. T'as tous les packs. Exactement, Néria. J'ai absolument tous les packs des Sims. Parce que je suis une pigeonne. Bah, je suis une pigeonne, vous êtes des pignoufs. C'est comme ça? C'est pas vrai, hein? Je suis ni pigeonne et vous êtes pas pignouf, hein? Ah oui, bah excusez-moi, YouTube, vous allez rien comprendre. Ok. Par contre, tu commences à être gaulé, t'as des épaules et des biscottos, là, quand même, hein? Eh, mais j'avais pas fait gaffe, on a vraiment atteint le potentiel maximum du corps du Sims. En fait, je m'en souviens pas quand, mais on l'a eu. Chante bien maintenant. Bon, elle sera plus belle que celle de Crime. Voilà. À quand le karaoké des chansons Sim? Moi je suis prête. Hein. Oh, casse-moi pas les couilles. Elle a jusqu'à 14h, hein, donc elle va chanter, hein, moi je vous le dis. Quelle chante, hein. Il est 10h du matin. Mais tu dois pas bosser, toi?
Oui. Oups. Oupsi. Tu vas prendre une douche, tu vas manger, tu vas aller aux toilettes. Et tu vas aller bosser. Par contre, il a encore sa brioche. Ah, madame, femme de ménage est là. Quoi ? S'entraîner à programmer. Tu vas payer les factures. Contacter les extraterrestres. Ah bon ? Ah bah oui, c'est vrai que c'est le PC qui est fait pour, j'avais oublié. Programmer. Ah, je l'aime bien celle-là. Ah ! Ah ! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-sa-moi ! Wow, why do we do some more? Wow, why do we do some more? Ouais, quoi d'aimer, parle comme moi, hein. Ah, ah, ah. Tous ensemble. Why do we do the more? Wow. Why do we do the more? Woo! Trop bien. Skip around and flick and chew. Won't conflict be similar. Je pourrais l'écouter, hein, moi ça me dérange pas. On a perdu Charlie. Mais non! On écoute, on a... Moi, je l'aime bien la chanson. Je vais acheter une chanson, ce sera la même que sur les Sims. Je connais pas Jenaline, alors je peux pas te dire. Quel organe impressionnant, t'as vu ça, hein? Parce que je suis assise dessus, ça compresse. C'est bientôt l'anniversaire de Prune. Elle dort maintenant, on est tranquille. Hein. J'espère que vous entendez bien quand même. Hein. Normalement, oui. Hein. Mais. Maintenant, faut que je centre bien parce que si je centre pas, d'un côté vous avez ma gueule, de l'autre côté il y a le chat. Waouh, mes nuages. Oh non, c'était trop court. Oh, j'adore encore plus cette chanson-là. Chou. 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 Et merci Manu, Manu, pour le follow. Bienvenue à toi. Pam 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 pam. Eh oui. On voit la meuf qui a beaucoup chanté sur les Sims, qui a beaucoup fait le karaoké. Elle connaît toutes les chansons, je suis impressionnée. Pas tant que ça en fait, en plus. Un petit peu, mais je sais pas pourquoi, il y en a certaines. Il y en a certaines qui m'ont marqué, que je kiffe, vraiment. Andibani Sifun. Bon, on en a une qui est colère. Attends, voilà. Pas la peine d'aller déranger maman, elle chante. Regarde, tiens, viens manger. Il y a de la pâtée pour chien, là, par terre. Oh, elles ont toutes les trois la dalle. Bon, tu vas venir aussi, toi. Oh là là. Pipi, caca... Manger, tout ça. Et Prune, elle aura faim aussi, hein. Je vais sortir à manger. Mais je sais qu'à la fin, la vente, c'est pour ça que je vais servir à manger. Noubou ! Elle a dit Noubou ! Non, pas Noubou. Tu chantes encore une dernière chanson. Vas-y. On s'en fout des gosses. Ah ! Ah ! Ah, bah je savais pas c'était laquelle, mais c'est bonne soirée alors du coup.
Parce que j'ai fait un peu au pif, moi je connais pas les titres. Hein. Moi je te suis sur YouTube depuis un moment, mais j'ai... Ah bah écoute, bienvenue hein. Wow. Hey, tout le monde. On fait des étoiles avec nos mains. Elle est à fond hein. Après elle va taffer un petit peu en l'air bas. On s'en fout, on est en retard, on chante. Why do we do some more? Promis, après on s'occupe des gosses, du mari, tout ça. Allez, tu peux aller bosser maintenant. Hop là. Oh là là. C'est sexy comme tenue. C'est sexy la tenue pour aller bosser. Manuage. T'es sexy en overdose. Ah bah... Ah non, mais là, t'es chier. Elle était nickel et tout. Elle va bosser, elle pleure. Alors, toi, tu vas enfin manger. Ça fait juste 3h30 que je t'ai demandé. Oh, elle est dans un état. Oh, y a rien à bouffer. C'est l'angoisse. Je crois que j'ai perdu une gosse dans la bataille. Je sais pas où. J'en vois que deux. Allez, les chiens, il y a à manger, là. Ouais, elle doit pisser. Aussi. Oh, mais non, mais... Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est la galère! Où es-tu? Bon, Lila, elle était remontée. Allez, comme ça, ça vous fera les pieds, vous allez marcher dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est quoi? 160. Ah oui, c'est lui! Bah, c'est bien! Bah, tu vas pouvoir t'occuper de tes gosses parce que. Faire une enquête sur un produit, mais ça, j'ai pas encore fait. Hein. Tu vas faire à manger pendant que ça bouffe parce que comme ça, au moins, ça sera fait. Pas haricots saucisses. Et sandwich BLT. C'est bien ça. C'est presque sain ça. Parce que les haricots saucisses, ça fait. Déjà que ta femme est crasseuse. C'est pour que tous tes gosses pètent aussi. On n'est pas dans la. Hein? C'est qu'à de le dire. Attends. Toi. Oui. Fais caca. S'il te plaît, prune. Va faire caca. Oh là, c'est bien ma péchette. Je suis gentille quand ça m'arrange. Hein. Elle pue, mais tout le reste ça va, il y a juste de la tension. Avec un bain, ça va remonter. Mais Lila, je t'ai demandé d'aller manger. Ah bah il n'y a plus rien. Oh non, monsieur, comment ça bien faire? Reviens ici. Elle va pas arrêter de faire des allers-retours. Voilà. Je chante aussi. Merci Switzen, je suis pas toute seule. Magnifique, merci Lucille Loubilou. J'ai un peu eu du mal. Tu veux pas faire The Voice? Non, je... Non, non, ça m'intéresse pas. Retatou, t'as amené à manger. Il y a un coup de vin. Coucou Ricardo, comment tu vas? Alors, formation supplémentaire. Le patron de Nuage vous propose de faire une formation supplémentaire. Que doit-elle faire? Fait la formation ou l'offre cette opportunité à un collègue? À votre avis, que faisons-nous? On partage, enfin on l'a fait ou on l'offre. Mais moi je serais plus d'avis de la faire nous-mêmes, mais... On est plus sur l'affaire pour tatou. Faire la formation. Allez, vous êtes trois voix. J'ai une quatrième et puis comme ça, je suis sûre. Ok, c'est parti. Gain de performance moyen, hein, c'est toujours ça. Ah, mais ça y est, elle est confiante. Tu vas lécher les bottes du paf. Oh, 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 ça augmente la perf. Hein. Ça lèche les bottes. Hein. Oh, la coquine. Tu travailles dur, mais ça, travailler dur, ça passe. Qu'est-ce que ça fait, du coup? Oh non, mais elle va lécher les bottes un petit peu. C'est bon, Lila? Ok. Alors, mon coco, elle a fini de manger. C'est parfait. Tu vas pouvoir enchaîner les bains. Enfin, le bain de lavande. Bain de mousse, lavande. Ça va faire mieux pour son attention et son truc, là, sa puanteur. Oh, elle est dégueulasse. Pauvre enfant. On n'est pas dans l'ordre des ladies ici. Hein. Les enfants, ils peuvent pas être crades tout le temps. C'est pas possible. Il y a un peu de civilisation aussi. On a internet et tout, quoi. On avait même des aliens, alors, pour vous dire. Prune. Prune à la fin. Bah, prune, elle va aller manger. Oh, putain, Lila, elle pue. Lila, elle a pas appris à chier dans le pot, donc du coup, bah, elle pue. On n'a pas eu le temps. Retourne, j'ai tout fait quoi depuis que je suis partie? Mais quand t'es partie, quand? Parce que du coup, moi, je ne peux pas te dire.
Bah écoute, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Papa, il travaille à la maison plus pour s'occuper des gosses qu'autre chose. On a chanté avec Nuage, enfin moi surtout. Les autres, je sais pas. Mais moi, oui. Voilà, oh c'est bien. Comme ça, elle est contente. Regardez, ça. Oh là, elle manque d'attention quand même. Elles iront jouer toutes les trois là au casse Mirette. Papa, il doit travailler hein, au bout d'un moment. Non, tu vas pas jouer à la poupée non plus, hein, dis donc. T'es un homme, t'es pas un enfant. Alors, monsieur. Ah, magnifique. Ce style incroyable. Vous avez un style incroyable. Vraiment. Hein. Vous vous appelez Samuel le Grand. J'aurais pas dit. Vous avez des bagues absolument divines, monsieur. Marcus. Ah, so-so. Alors, tu vas éliminer la journée. Ouais, toi aussi, t'es beau, tiens. So-so. Tu dois faire quoi? J'ai déjà oublié ce que c'est. Le truc, là, il faut parler avec un Sims. Faire une enquête sur un produit. Ben voilà, c'est ça. Je l'avais pas vu. Ben, tu vas le faire aussi avec lui. C'est mon avis, il faut le faire plusieurs fois. Ah, la femme de ménage arrive. Ben non, il est 18h. Vas-y, roule-moi dessus, toi! C'est pas barbu bouffe-moi le cul, c'est vélo roule-moi dessus. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement. Et non, que des prix de beauté dans la rue, hein. Ah bah ça y est! Ah bah c'est bon, arrête de leur parler. Tu vas leur dire au revoir parce que j'ai pas envie qu'ils arrivent à la baraque. Hein? Voilà, tu vas leur dire bah je me casse. Tu vas aller. Va plus loin. Voilà. Ouais, ah, c'est drôle. Voilà, ils s'en vont. Hein? Toi aussi? Bon. Et puis tu vas faire de la robotique parce que bah, tu dois avoir le niveau 3 pour avoir voilà. Parce que avec Adonis, c'est juste pour découvrir la carrière d'ingénieur. Voilà. C'est pour ça qu'on lui a fait cette petite carrière. Je trouvais plus mes mots. Les gamines. Oh putain. Prune s'est refoutue à poil parce qu'on avait oublié qu'elle était exhibe. Qu'est-ce que c'est ça? Mais elle a encore lâché ses poivrons! Mais qu'elle arrête de lâcher ses poivrons partout où elle passe, celle-ci! Non mais sérieusement. Qu'est-ce que c'est que cette gamine? Qu'est-ce que tu veux? Va faire un câlin, là. Va frapper si tu veux, je m'en fous. On peut plus. Bon, elle est dynamique, hein, donc bon. Elle se fout à poil, voilà. C'est les gosses. Je jette quand même un œil dessus, parce que bon. Mais on t'a pas lavé, toi, déjà? Faut vraiment qu'on lui apprenne le pot, hein, parce que c'est plus de possible là. Lavande, elle est indépendante, donc là-dessus on est tranquille. Mais bon. Ouais, t'es en retard au niveau éducation là, Lila. Ça va pas du tout. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais tu vas parler à ta soeur en bas, toi. Et l'autre, l'exhibe là. Eh, regarde, regarde, je suis à poil. Eh, regarde. Eh, vas-y, t'as vu, je suis à poil. Eh, t'as vu, je suis à poil. Eh. T'as vu, chapeau? T'as vu, chapeau? Non mais si tu veux, tu joues. Mais tu t'habilles. Merci. Vas-y, va jouer avec Prune. Prune. Je vais jouer avec. Ouais, bah non, mais ta soeur, elle s'est barrée là comme une malpropre. Vas-y, va jouer avec Prune. Ce sera mieux. Chantal, comment tu vas? Shirley, le bot, il n'autorise pas le mot zézette. Ah bah ça, j'y peux rien. Ah oui. Ça y est, moi, je te l'autorise. Et pourquoi vous avez envie de marquer zézette en même temps? T'as raté le duo de Nuages et Shirley, j'avoue. À poil prune, prune l'exhibe. Mais non, mais... C'est pas la première fois, hein, mon plume. Ouais, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Alors lui, il a arrêté. Tu bidouilles! Il vient juste d'arrêter, ça va. Non, du coup, les... Allez, mais il m'énerve là, les gamines, à pas avoir assez d'attention là. Tiens, tu veux une porte dans la gueule? Allez. Pendant que maman elle travaille, maman elle va plus là, ça va plus. Elle est fatiguée. Ouais, on n'est pas prêt d'avoir une. Putain, on est qu'au niveau 5. Ça va. Ça va en vrai, mais il va falloir. Voilà, maman est rentrée.
Maman, elle est un peu en sale état. Tu vas te chanter tout là. Je sais, elle est propre, mais je m'en fous. Ça, elle chante et elle se douche en même temps. J'avais oublié de ranger la bouffe. Ça va plus être bonne dans 4 heures. Voilà. Parfait, je range. Hop. Compétence 3 robotique. Parfait. Et elle est encore là. Je lui ai dit de parler à sa sœur. Elle m'écoute pas. Elle est fatiguée. Bah t'as qu'à y aller aussi. Tu vas aller au pot. Et tu vas aller dormir. Et elle est excitée. Oh là là, j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est trop bien. Ça va, elle est en bon état. Ouais, et puis... Lila, elle pue. Maman, quand t'auras fini, t'apprendras le pot à Lila. Parce que, ben voilà. C'est un peu la famille où personne se parle, vous avez pas remarqué là? C'est un peu l'enfer. Bon, lui, il a. Je lui laisse faire ça là, il a fini. Et voilà! Tu vas pouvoir aller pisser, aller manger. T'es beau. Non? Mais j'en peux plus! Voilà! Maintenant vous me saoulez! Le pot à Lila. J'ai l'impression. C'est moi qui oublie ce que j'ai demandé de faire ou je l'ai demandé dans une autre dimension. Ou alors ils font vraiment pas ce que je leur demande. Des aides pour les garçons. La fleur d'assiette sale dans le salon. Ouais, bah comme d'hab. Ici on a une femme de ménage donc c'est excusable. Oh, une jolie fleur. Une jolie fleur dans une peau de vache. Une jolie vache déguisée en fleur. À la réunion, c'est la chouchoute. De quoi? La zézette? Vous faites peur? Je sais pas, quand j'étais petite, j'étais zézette et zizi pour mon frère. Ah oui, d'accord. Alec, quoi? Imagine la première fois, on m'a demandé si j'étais la chouchoute de la maîtresse. Vous êtes bizarre quand même un peu, je veux pas... Alors, tu vas pas faire le ménage parce que on paye quelqu'un exprès. Mais tu peux demander à ta femme comment ça se passe. Parce que ta femme, au moins, elle travaille. Ah! Ouais, tu veux pas jouer avec ta fille? Allez, on va jouer avec ta fille. Hein? Parce que quand même... Comme ça va leur donner de l'attention. Elle sera contente. Bon, Lila, elle est... Lila, elle est là. Elle fait caca. Oh, il a grogné. Je savais pas qu'il grognait, moi, avant. Bon, ça, c'est vraiment mon animation préférée. Hein. Je le dis tout le temps, mais... Et pourtant, j'aime pas les gamins. Mais je suis soupie quand même. Je me revois dans le bain avec mon frère. Non mais c'est bon les conversations cheloues là quand même. Je vais être de... Hein? Vous rigolez mais chez moi c'est la marmotte. Salut Katnia. Ouais non mais attendez quand même. Parce que moi après je vous lis. Vous êtes sur YouTube les enfants. Ça va pas passer sur YouTube. Ils vont me ban ma vidéo après. Vous mêlez des mots avec des enfants. Ça fait peur. Ah t'as pris le lit de ta sœur. C'est pas grave. Elle joue, après Tira pisser. Voilà, et Tira dormir. Toi, ah bah. Alors là, ça c'est beau, hein. Ça c'est de la c'est juste de la poésie. Voilà, ce sera peut-être la miniature, je ne sais pas. Mais je trouve que ça résume pas mal pour l'instant l'état de l'épisode. L'état des lieux. Et plutôt pas mal. Entre la gamine qui est désespérée et qui pue, et sa mère qui est par terre. Je trouve ça beau. Parce que là, la petite, elle est fatiguée, puis elle va dormir. Bah, papa, tu vas aller laver ta fille. Allez, Lila, hop. Pff, je savais pas que t'étais si crevée. Ouais, bah écoute, va dormir. Hein. Vous aurez pas le temps d'aller faire des crac-crac, hein. Et merci Dudu pour le follow.
Ou du Dux, peut-être. Et bienvenue à le cul en avant, c'est ça. Et ça sera ok sur YouTube. On l'a fait comment cette action? Comment quoi? Quelle action? Je connais des gens qui disent la coccinelle, punaise. Marie, elle m'a houspillé parce que j'étais pas là hier, elle est même pas là. Mais elle bosse! Remarque, quoi, ouais, il est tard là, elle déconne. Hein. Ils ont quoi contre les marmottes YouTube? Bah. Je ne sais pas. YouTube, si vous avez quelque chose contre les marmottes? C'est horrible les marmottes! Enfin, les bestioles, non, mais le contexte dans lequel vous êtes en train de le dire, je trouve ça affreux, moi. Oh putain, mais à la fin. Et tu vas bouffer ton poivron avant. Et c'est des poivrons qui. Elle les mange, mais ils se régénèrent. C'est la. C'est une magicienne de poivrons, celle-ci. C'est bien, papa. Oh non. Oh, ça chiale pas, hein. Putain. Comment péter un. Pas péter un câble. Allez, tu vas border tes gamines, là. Marie t'arrive. Mais elle a vu où qu'il y avait un thé là, Chantal, parce qu'il n'y a pas de thé, hein. Mais elle le dit. Quoi? Mais va border ta gamine! Merde, pas réveillé. Bordé. Et heureux à poil, mais j'en peux plus de celle-ci! Mais tu vas arrêter, je t'ai dit de bouffer ton poivron et va te coucher! Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. C'est quoi ces enfants de l'enfer là? Eh, fais un bisou à chacune là. Oh punaise, j'en peux plus là. Ça commence à être compliqué là. Et hop, et va dormir. Je suis arrivée. Et ben voilà, Marie est là. Mais what? J'ai eu peur. Je croyais qu'il était déjà couché. Mais qui c'est qui s'est relevé encore? Allez, allez vous coucher là. Taisez-vous les gosses. Vous avez pas intérêt. Eh ben si. Cucu, Siyanana. Comment vas-tu, ma petite Marie? On parlait de toi, car avec... Cucu le chat. Ta petite voix. Attention, hein, vous êtes sur YouTube. Hein. Je suis contente de vous retrouver. Oh, ma biche. Mais c'est du grand n'importe quoi depuis le début du live, là, c'est, cette famille, c'est plus possible. C'est surtout les trois gamines qui me mènent la vie dure. Là, je pense que, vous savez quoi? Lui, il va aller travailler, au lieu de rester à la maison. Comme ça, les trois, hop, garderie, et ça me fera des vacances, tiens. Parce que ça commence à devenir, ça commence à me garder un petit peu. Cela, je veux bien jouer RP en disant, oui, bah papa, il va rester à la maison pour s'occuper un peu des gosses. Mais il est buggé, mon lit, regardez. Il est bombé comme s'il y avait un gosse dedans. Allez, va dormir. Tu me saoules. Salut la team Rediff. Ah là la dalle, j'en peux plus. C'est, j'allais dire de ces chats. C'est pour des chats. Vas-y, tu vas donner tes poivrons à ta petite sœur. Elle les bouffera dès qu'elle se les réveillera. Ah, il est déjà 7h du matin. J'ai pas le temps de dire ouf, moi. Promotion, promu au poste de rouage de la machine. Et il gagnera désormais 11 simflouzes de plus par heure. J'ai su que Marie arrivait parce qu'on parlait sur Discord. Désolé, je n'ai pas de pouvoir d'invocation. Brad Pitt ne sera pas sur le live. C'est pas Brad Pitt que j'attends spécialement. Alors, soit 49 simflouzes de l'or au total. Motivateur de ménage expérimental et une prime de 650 simflouzes. Mais c'est très bien. C'est très bien, il est content, il a eu sa petite promotion, il a eu sa résolution en tenue. Voilà, il est content. Oh non, maintenant c'est elle. Oh, j'en ai marre. Mais soit ils ont besoin de bouffer, soit ils se chient dessus, soit ils ont besoin d'être lavés. C'est infernal, hein. Ça n'arrête jamais, hein. Oh. Va chier. La vente a très faim. Oui, bah la monde, elle attendra qu'il y a de la bouffe de servie, parce que la merde, hein. Maman, viens prendre le petit déj, enfin faire le petit déj. Des œufs brouillés avec du bacon. Vas-y, réveille-toi. Alors papa,
Tu vas aller travailler aujourd'hui. Faire de la... être tranquille moi aujourd'hui. Voilà, ça j'ai pas à gérer. Si t'es pas contente, tu viens ici après. Tu meurs toute de faim, c'est. Je vous jure. Tu travailles aujourd'hui, hein, rassure-moi. Oui, elle travaille. Mais il m'énerve lui! Ah non, c'est. Bah... C'était pas lui, c'était elle. Mini, elle c'est un peu une harceleuse sur les bords quand même. Hein. Je veux pas être méchante, mais. On l'aime bien, mais quand même. Johnny Depp, s'il te plaît. Ah oui, je veux bien, ouais. Elle a dit live et pas live. Ah, j'ai pas fait attention. Bon, il y a à bouffer là. T'es Miro ou t'es stupide en fait? Tiens, tu vas te lever aussi, toi. Tu viens de te coucher, mais tu vas venir bouffer. Tant que c'est prêt. Ah, tu vas travailler dur. Il est en tous ses états. Ok, toi tu vas pisser. Tu vas chanter sous la douche. Putain. Arrête avec les gosses! Elle a pas fini son assiette en plus, hein! Oh, c'est pas possible! Oh, s'ils sont c'est insupportable les Sims quand ils ont des. Ah, tant mieux, il y en a une qui va grandir. On aura la paix. Après, tu iras pisser toi aussi. Tiens. Hop. Non, non. Nuage, non. Divertissement, oui. Chanter, oui. Améliorer, non. Chanter, oui. Chanter, oui. Allez. On va essayer d'oublier les problèmes. Pourquoi le son il est pas fort? Ah, ça va. Déjà dans une heure? Oh la vache. Non, attends de rien. Belay. Relisa. On chante. Zambulo. Ah, j'ai inversé Zamboulé, Zamboulo. C'est des chansons qui durent longtemps quand même dans les Sims, vous avez remarqué? Zamboulo. Ouais, bravo! Ah, allez, on bouge son boule. On arrive au niveau 8. Bon courage, Tatou. Hein. Pardon. Elle va encore arriver en retard au boulot. Hein. On s'en fout de la vente. Quand je dis qu'elle dure longtemps, les chansons, elles durent au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein. Une chanson. Vous imaginez, vous? Vous achetez un Twitch thing, là, un karaoké, puis pendant trois quarts d'heure, je suis là, sur la même chanson. En vrai. Allez. Au boulot, ma belle. Oh, punaise, elles vont dégager de là, les gamines, ça va être un enfer. Regardez, un bonheur. Regardez, elle fait...
Maman, tu t'en veux toi aussi? Tu nous abandonnes à la garderie? Oui. Rien à foutre. Rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre. Alors, temps libre, Nuage a terminé une tâche plus tôt que prévu. Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle cherche une œuvre d'art ou elle écoute de la musique? Et ça, c'est le chat qui répond. Je viens de tomber sur ta théorie Insta, si vous voulez me voir. Bah oui, bah quoi? On essaie de se vendre comme on peut. J'imagine les doubleurs qui chantent en simlish. Eh ouais, mais oui, bah oui, parce qu'il y en a qui ont refait leur chanson version simlish. Donc, je peux encore rattraper le live, mais spoilez-moi, le bébé c'est quoi? Qui a choisi son nom? Quel bébé? Musique, œuvre d'art, musique, musique, musique. On va donc écouter de la musique. Elle se met à chanter. Alors, attendez, Nuage commence à écouter de la musique et sans s'en rendre compte, se met à chanter à haute voix. Ses collègues se joignent à elle et partagent avec elle une fantastique expérience collective. C'est une hallucination collective. C'est marrant parce que j'entends les gamines rigoler, mais elles sont pas là. Enfin, elles sont là, regardez. Mais elles sont pas là. Elles ont disparu. On a disparu. Mais arrête! Putain, mais le harcèlement. Oh punaise, lui, là. Ouais. On va discuter avec les collègues, hein. Et merci, Julia, pour l'abonnement YouTube. Ça fait plaisir. Ça a monté un petit peu ces derniers jours. Ça fait bizarre. C'est agréable. Je préfère que ça monte que ça descende. Il a amené 441 et les gamines sont rentrées. Et lui, il en a marre. Oh. Un bichon. Ah oui, il a besoin de se divertir. Bah écoute, va te divertir. Et les gamines sont exactement au même endroit que là où on les avait laissées. Les gamines, elles veulent quoi? Nya, 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 je veux m'amuser! Bah écoute, t'as des jouets là, qu'est-ce que tu veux me faire là? Qu'est-ce que tu me crasses les couilles? Toi aussi? Mais c'était quoi? C'était une garderie ou c'était l'enfer là? Est-ce que vous étiez au bagne? Ils ont toutes besoin de se divertir à ce point. C'est qu'il y a un problème à la garderie, hein. Faut virer les nounous, hein. D'accord, lui, il se dit. Ouais, pour me divertir, je vais bouffer. J'avoue, moi aussi, j'aime bouffer pour me divertir. Je regarde une pizza, je suis là. Oh là là! Oh, c'est beau ça. Oh ouais. Oh, oh ouais. C'est pas vrai. J'allais dire pourquoi il a ça, mais c'est vrai qu'il était, il était maître nageur, fut un temps. Alors, Nuage. Allez, fais-moi une petite promo, ce serait cool en fait. Qui quoi? Maxime Blanc. Ouais, mais t'es tout gris. Hé hé hé, quel humour! Incroyable! Ah, punaise, si, so close! So close, et pourtant. Et pourtant, elle était belle, le client. Elle ne voyait qu'elle. C'est bon, ça t'a remonté là? Elle va te doucher. 300. Ah, il gagne plus qu'elle, hein. Et lui, il est à quel rang? 4. Au rang inférieur. Bon, elle a faim. Tu vas aller manger. Tu trouveras bien un truc à bouffer qui traîne quelque part. Ah, arrête de regarder la télé, c'est bon. Zamboulé. Zamboulo. Ouais, ça, je me mets à chanter du Sims. C'est tout? On va pisser. Bon, est-ce que les gamines ont besoin d'entretien? Va falloir leur cuisiner à bouffer. Donc j'ai envie de dire oui. Ravioli. Ah, oh, c'est la merde, j'arrive vraiment pas. Hein. J'arrive pas, il y a trop de gosses. J'en ferai plus la prochaine fois, il y en aura plus d'enfants. On en fera plus. C'était le camp de travail. Salut Citizen, comment tu vas?
camp de travail pour enfants, c'est ça. Ça passe le temps de manger. Dans une pièce toilette-salon. Salle de douche, toilette, salon, ordinateur, chambre, tout. Non, mais on va l'améliorer, cette maison. N'inquiétez pas. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Et là, et là, et là, et là. Allez, hop. Viens chercher à bouffer. Allez, hop. Viens chercher à bouffer. Arrête de criser. Tu te tais. Tu viens manger. Elle grandit quand, la Morbac, là? Oh, punaise, bah, elle grandit maintenant. Maman! Putain, arrêtez avec les bambins. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Allez, gâteau au chocolat. On s'en fout. On n'a pas le temps. Il est 23h, on va pas inviter les gens. Hein. Là, Non, par contre, ça s'invite tout seul. Voilà. Il y en a qui vont hurler dans le chat. Mini! C'est pas toi que je voulais voir, c'était elle. C'est elle notre héritière, hein. Tant pis. Hein. Mini, elle a fait de la merde, moi j'y peux rien. Regardez-moi ça, les morts. Ta gueule, bouffe. T'as de la bouffe là, espèce d'idiote. Bon, maman, il faut que tu les éduques, là. Hein, tu sors le fouet à clous, on s'en fout. Ah non, c'est pas ça, c'est éducation. Calme, pas de crise de nerfs. Putain, le gâteau il est là. Non, pas soin. Pourquoi je suis toujours dans soin, discipline et calme, pas de crise de nerfs. Gâteau d'anniversaire. Non, non, elle a... Tu me casses les pieds. Cette obsession pour les bambins, mais j'en peux plus. Ah, ça me saoule. Elle va partager un secret, elle va dire que Adonis il a un gros zizi. Bon, c'est pas, hein. Non, 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 tu viens. Maman, elle va te faire grandir, viens. Et... Allez, une de moins. Je vais coucher ma dinde. Salut Lexia. Les neurones sont pas connectés chez tous les bambins. Non, mais là, ça commence à devenir un enfer. Regardez-moi ça. Écoute, va te coucher, c'est bon, hein. Tu sais taper des crises, tu vas dormir. Allez, hop, dormir. Toi aussi, t'as pas besoin d'être là. T'as bouffé, on s'en fout. C'est pas t'as boulé, c'est t'as bouffé. Ouais, c'est bon. Ouais, faire grandir. Qu'on ait la paix. Avec la fille à moustache. Cette violence, mais sérieux, j'en ai marre, moi. Oh, je peux te dire que là... En attendant que les jumelles elles soient grandes, là, qu'elles grandissent, ce sera papa, il va aller au boulot aussi. Hein, il va pas rester à la marin, car j'en ai marre de me les taper, les gosses. Toujours aussi magnifique enfant. Hein, voilà, je préfère vous montrer cette tronche. Remarquez, sa mère était pas mieux. Hein, ses tantes n'étaient pas mieux quand elles ont grandi. Comment on fait pour avoir un peu comme une caméra? Faut appuyer sur Tab sur le côté de ton clavier. Touc. Rien, t'as plus l'interface, en fait. Eh, t'as besoin d'aller où, là? Allez. Bala boy, huh? Yes, Baba. Even day so. Yum, Bala.
Je sais pas, je crois que j'ai loupé un truc ou... Non ? Je sais pas, hein, je... Au point où on en est, j'ai envie de dire... Peut-être qu'elle va devenir adolescente, hein. Double anniversaire, coup sur coup, hein, on sait pas, hein. Je crois que ça avait fait ça, hein. Oh la vache. Ah oui, bah il faut que je prenne les traits, dis donc, j'ai oublié. Oublié qu'il fallait que j'ai les règles du challenge sous le pif, donc je ne sais pas les traits. C'est merveilleux. J'oublie. Tu lui as dit qu'elle était moche. Mais oui, mais elle est moche, j'y peux rien, vous verrez bien. Hein. Ah, c'est pas un cajot. Bah, vas-y, Internet. Hein. C'est pas comme si... Oui, non, j'ai pas du tout la fibre, t'as raison. J'ai pas Internet n'est pas connecté. Alors, les traits sont génie réticent à s'engager, machine à danser. Bon, réticent à s'engager pour une ado, je suis pas sûre que ça marche. Génie, eh ouais, c'est vachement des génies, tiens. Aspiration, qu'est-ce qu'on met? Elle compte dans les héritiers. On verra. On verra ce que donneront les jumelles. Parce que bon, pour l'instant... voilà. Ah bah oui, mental, oui. Même si, c'est ça, hein, mental. C'est le cerveau. Voilà. Eh, va te coucher, grognasse! Pas dans le salon. On t'a fait une chambre là, regarde. Tu vois, ça c'est ta chambre. C'est de dormir. Voilà, tu peux être couché, on veut plus te voir. C'est bon, là, là. Puis ça les coupe de cheveux de merde. Bon, et où, au lieu de rester comme des ronds de flanc, là, comme ça, je sais pas, faites quelque chose dans votre vie, non? Peut-être. Vous mangez, vous. Je sais pas. Elle est déjà dans le thème violet. Pourquoi? Ah oui, elle a un truc violet en haut, j'avais même pas fait gaffe. Sa coupe de cheveux. Voilà, voilà, retrépignant. Ça va se pioter, on aura la paix. Alors, comment vas-tu, Mini? Tu t'es pas refait engrosser? C'est vrai qu'elle était belle quand même. Ouais. Zamboulé, Zamboulo. Mais lui, mais on dirait que je leur ai enlevé l'autonomie là. Mais qu'est-ce qui se passe? Jamais j'enlève l'autonomie. C'est pas drôle sinon, ça sert à rien de jouer sans l'autonomie. Il a cassé les toilettes. Non, tu vas pas essuyer. Zamboulé! En plus, elle fait le ménage, c'est merveilleux. C'est merveilleux! Tira de pioter aussi. Ah, c'est ceinture ce soir. Personne baise. L'angoisse. C'est l'angoisse. Allez, on se fait une petite dernière journée là. On arrivera au week-end. Nous, on joue pas très très longtemps sur notre Sobéry. Hein. On est plus court. J'ai vraiment eu. Mais il a pas pissé. Va te pisser, tu m'énerves. Va pisser. Ah, et puis t'es buggé là, tu me saoules aussi. Allez. Ah oui, il avait besoin de. Hein? Hop, clac. Va dormir. À 8h du matin. Ah ouais, elle est carrément dans le thème, ouais. Ah bah ça y est, elle se remet déjà à poil. Que t'es moche. Ah, t'es moche. Marie aussi est dans le thème violet. Eh ouais, l'aubergine et l'étoile. Merci, Tinchelli, c'est gentil. C'est pas forcément vrai, mais c'est gentil. Et merci, Léane, pour le follow également.
Après, les gens, ils me connaissent pas, ils disent, qu'est-ce que moi, elle parle mal et tout. Mais écoutez, moi, j'y peux rien. J'adore les Sims et j'adore tous mes persos. Mais il y a des fois. Des fois, ils me mènent vraiment à la vie dure et. C'est complexe, j'ai du mal à. Mais elle a un pantalon violet aussi, regardez! C'est rose, mais bon, ça passe, hein! Ce look, quand même, ses cheveux, c'est. Enfin, je sais pas vous si vous l'avez utilisé, mais moi, non, jamais. C'est vraiment pas une coupe de cheveux que j'ai déjà utilisée pour un enfant. Papa, il va partir. Ça dit que moi? Un petit peu. Du coup, elle sera là toute la journée. Je dois m'occuper de toi. Oh. Elle est contente. Oh là là, c'était un bidet. Je suis adepte du bidet. Je me suis lavé la louloute. Relooking pour... Non mais oui, bien sûr, évidemment. Peut-être que je le ferai entre les deux. Je ne sais pas. Entre les deux semaines. Je ne sais pas. Je trouve Mimi. Elle a l'air toute Mimi prunette. Pas sur une fille en plus. Ah, c'est vrai que sur un garçon, ça peut peut-être mieux aller. Marie à l'aubergine et l'étoile violette et le vert de l'épée et du nom. Hein? De l'épée et du nom? Du nom de quoi? Ah oui, t'es double coloris. Ouais, t'es verte et violette. T'as l'épée verte, t'as l'étoile violette, enfin avec même blanche. Mais l'aubergine est violette et verte. T'as tout en un. Lui mange dans la cuisine. Maman! Au moment où elle va avoir une promotion aujourd'hui, tu vas me faire plaisir. Putain, elle travaille pas. Oh non, je dois me taper les gosses. RT. Elle va bosser. Re, avec des abdos en béton. Non, je déconne. T'as de la chance. C'est tout. T'es sûr que t'as avec ça à faire comme ménage, madame? Prochaine fois, on te laissera plus de taf. Bon, Nuage, tu vas te lever. Oh là là, la vie est dure. Tu vas ça, tu vas chanter sous la douche. Parce que ça, c'est fait. Pourquoi les... Ah. Bah oui, j'allais dire pourquoi elles usurent pas les gosses, pourquoi? Bah elles dorment. Écoute, vous êtes quand même 5, donc la bouffe part vite, donc tu vas resservir le brunch avec des pancakes. Comme ça, quand les morpionnes, en fait, je voulais dire, vont se réveiller, t'auras de quoi leur donner à becter. Des bons petits pancakes. Alors je suis passée au Picard aujourd'hui, j'ai repris des pancakes. De la brioche. Des petites calzones. J'ai craqué mon cible chez Picard. Ils avaient de nouveau des avocats en morceaux, donc j'en ai pris. Ça coûte cher, ça. Parce que du coup, il est toujours bien, leur avocat. T'as pas besoin de galérer à chercher un avocat mûr. Parce que des fois, soit il est pas mûr, soit il est trop mûr, ou alors il est pourri. Donc voilà. Je suis contente, j'étais à Picard. Ça m'a coûté un bras. Je me suis mis à la page. Je suis dans le thème, je vais me détourner dans le jeu des couleurs, c'est ça. J'essaierai de mettre mon nom en violet. Bah chez moi, tu es déjà en violet, Quentin. Moi, je te vois en violet, en tout cas. Ah bah voilà, elles sont debout. Et elles hurlent. Tiens, tu vas venir manger aussi. On te lavera plus tard, Lila. Commence pas. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? T'as des problèmes dans ta vie? C'est quoi déjà qu'il faudrait que je fasse avec elle? Parce que... Génération prune, Sims aux multiples talents. Ah ouais. Carrière, fast-food, docteur et artiste. Est-ce que si je pousse vraiment les aspirations ou les points pour les enfants, est-ce que ça aide derrière? Parce que j'ai pas l'impression. Moi, j'ai jamais vu. Maximum dans la compétence danse ainsi que deux autres compétences de votre choix. Ah oui, avec les moins niveau 8 dans 6 compétences, compléter aspiration Sims aux multiples talents, divorcer, se remettre avec le même Sims, vivre dans 3 mondes différents au cours de sa vie. Donc ça va. Je n'ai rien à trop préparer pour l'instant pour elle. Moi aussi, tu vas chanter. Allez, tu vas chanter une chanson. Pour comme maman. On pourrait chanter en deux d'ailleurs aujourd'hui. Qui c'est qui? Ah ouais, mais appelle le service de réparation.
Qu'est-ce qu'elle fait? Laisse ces gosses! M'énervez moins. Elle est tellement petite qu'elle dépasse pas le machin de karaoké. Salut Lydie! Salut monsieur R91! Et moi je peux entrer dans la team violette, mon pseudo mi-rose, mi-violet, ça passe. Mais oui, pas de soucis. Vous êtes tous dans la même team des petits culs, donc ici c'est le violet qui est en maître. Hein. Oh là là, les monstres sont debout. Mais t'as pas mangé toi? Tu t'es fait des pancakes, tu les as pas bouffés? Oh toi, non. Tu là. Purée, j'en ai marre de ces gosses. Même des Sims tout court, hein. Elle fait la gueule. Quoi, c'était pas bien ce que t'as chanté? Mal aux oreilles. La saleté. Quelle saleté, cette mère. Attends, y'a plus de place en canap. Regardez la télé debout. Après, j'ai beau dire, il n'y en a pas encore une seule qui m'a fait le coup de la peinture. Hein. Donc au final, ça va. Ah, c'est ton chéri. 91 et 92. Et ben moi je suis dans le 93. Brrr. Un truc qui a rien à voir. Comme ça qu'on utilise l'argent des abonnés. J'avais fait un don destiné à de la pizza. Oui, mais je l'ai mangé déjà. Tu sais, je me fais une pizza tous les lundis soirs. J'avais acheté la pâte à pizza avec de chez Picard et je me suis fait du coup des pizzas. Voilà. Alors que je pourrais la faire moi-même, hein, mais. Vas-y, laisse tomber avec tes gosses. C'est vrai qu'elle doit être bonne amie avec. Disciplinée, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu vas prendre à se dire s'il vous plaît et merci à ta Rushton, là. Ah oh, putain, mais Lila, elle pue. Toi, tu vas aller pisser. Je vais l'occuper. En fait, ce que j'aimais pas chez Prune, en dehors de ses yeux, c'était son menton qui était pas beau. Oui, c'est pour ça que je l'ai qualifié de moche. Ça veut pas dire que les autres, elles vont peut-être l'avoir, le menton, hein, dégueulasse. Ah, ce sera peut-être pas le menton de Thanos qu'on aura dans le Legacy, hein, j'avoue que... C'est nos années de naissance. Ah, d'accord, oui, alors non. Mais je suis quand même dans le 93. Malheureusement, oui. Oh lolo. Oh lolo. Attention, Madame J. Un peu de chirurgie ni vue ni connue. Oui, je sais. Mais si tu veux que je le banne, je peux le banne, hein, Madame J. Tu n'as qu'un mot à dire et on te le banne, hein, ton mec. Pas de soucis. Hein. J'avoue, Madame J, Monsieur R. Ah, c'est trop chouchou. J'avais pas fait gaffe, en fait. C'est trop mignon. Écoutez, hein, ici, c'est le stream des amoureux. J'aime pas l'amour, mais venez. Bon, après, il faut que tu t'entraînes. Hein. C'est bon, t'as fini ou pas? T'as fini? Allez, hop. Non, tu vas laver Lila, parce qu'elle pue. Tu vas laver Lila. Et après, c'est entraînement nuage. Je tiens à te dire que... Ouais, c'est bon, j'allais dire... Ah bah il suffisait d'en parler pour que la première... Oh, Nathalie est en train de disparaître, tant mieux. Que la première petite pétasse. T'as nettoyé ! Bah oui, t'as salopé le tapis. Un tapis de famille. Genre. Tu vas faire tes devoirs, tiens, ce sera ta punition. Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle gambade. Hein, avec son cul à l'air, là. Elle a besoin d'attention. Oui, ben, tu vas pas emmerder ta sœur. Tu peux emmerder celle-là, si tu veux. Fais des grimaces. Tu sais que ta mère, elle doit aussi faire sa carrière. Hein. T'as déjà fini de laver la... Tu peux aller faire pipi, toi? Maman. Tu peux aller faire le pot à Lila. Je sais, je t'en demande trop. Mais t'es quand même une mère. C'est toi qui les as pondus. C'est à toi de le faire le boulot. C'est pas moi.
Je réfléchis, attention Romain, tout le monde est avec moi. Attends que je ramène monsieur si on s'apprête qu'on complète. Et moi en plus tu l'as déjà ramené une fois. Il y a quelques temps. Et ton monsieur c'est l'été deux fois. J'avoue. N'importe quoi. Sia Gaga. Ah oui, Sia Nana, Sia... Sia Gaga, Sia Gaga. C'est un peu bizarre, Siaga, mais... Ça y est, il est mouru. N'importe quoi. Ouais, et mon équivalent à moi, ce serait quoi? J'aurais peur, tiens. Parce que... Bon, ça y est, t'as appris à pisser, à chier toute seule, là? Oui. Donc c'est bon. Vas-y. Tu peux te barrer. Tu vas courir. Oh, écoute, rien à foutre, hein. De toute façon, il continue d'apprendre, en fait. Hein. Regardez, elle continue à être dessus, donc c'est bon. Ah, 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 le gros P, je l'ai entendu, le gros P. T'es aussi crade que ta mère. Par contre, c'est vrai que non. En vrai, elle est pas trop dégueulasse, Nuage. Elle passe pas son temps à péter. Ah, oh, tiens, j'ai reçu 19h. On n'a rien fait de la journée. Ça, c'est moi. Actuellement, comme ça, dans ma tête. 19h. On a fait R. Les pancakes, ils sont encore sortis. Elle a pas eu le temps de s'entraîner, Nuage. Elle dort, non mais du haut. Eh, dépochez les... Hein? Parle avec ton père. Évacue le stress sur ta gamine. Mais va pas aller voir sa louloute à lui. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Reste là. Il va venir te gueuler dessus, t'inquiète, regarde. Ça va être beau. Clara. Serré dans ses bras. Allez, fais un câlin. Et tu regarderas la télé. Oh mon, c'est moignon. Avec son petit fils, son garçon. Non, c'est sa fille. Je la relouquerai après, c'est pas... pourrait voir. Elle sera peut-être plus mignonne que ça. En tout cas, elle aura pas cette coupe de cheveux. Ça, je peux vous l'assurer. Zamboulé, zamboulo. Bah écoute, cocotte, tu pourras aller pisser. Tu pourras aller manger. Et tu pourras aller dormir. Non, tu vas aller jouer avec machin, là. Serrer que les barques câlins. Parler, réconforter. Parler, raconter une histoire. Voilà. Attends, j'en ai une là. Elle est où, elle? Elle est dans les escaliers. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta mère? Laisse ça tranquille. Laisse ton père. Tu vas... Va jouer avec ta sœur. C'est pas comme si vous étiez jumelles. Nuage! On y est là, Nuage. Allez! Je dis entraînement. On est même pas au niveau 9. J'exagère. Ah oh, mais Mini, t'es relou. Perle! On n'en entend jamais parler. Alors, Mini, oh, la relou de service. C'est Jean-Charles, ton inter-ego. Oh non, c'est moins drôle, Jean-Charles. Encore si tu avais comme il conduit vite. Ah, Jean Vaughn. Ah, j'aimais bien. Mais quand j'avais fait mon rêve, c'était plutôt avec Bradley Cooper. Hein. J'étais à l'époque, il n'était pas aussi connu hein, et il n'était pas aussi sexy. Mais moi, je l'aimais déjà beaucoup, beaucoup. Quand il était le copain... L'ami, enfin le... Si, c'était pas son petit copain, c'était un l'ami. Mais je l'avais déjà repéré, moi. Agent Bradley. Ah, ça me plaît, ça. Agent JP. Non, ça me plaît pas. J'ai pas de bite pour que je suis un tel. De gronde, j'avoue. J'avais vu que tu étais sur les mêmes Discord que moi. C'est possible, Adrou, j'en sais rien. Pas la peine de le reposter 15 fois, hein. Je vais te lire parce que là tu l'as mis 3 fois et c'est 2 fois de trop. Agent Johnny. Ah crever, je préfère crever. Elle fait ça, elle va se coucher. Qu'est-ce qu'il va faire, papa? S'y fait. Mais Lila. Bon, écoutez, moi je m'en fous, elle fait sa vie. Moi, là, c'est mon héritière avant les gosses, hein, non mais.
ça suffit, les gosses, on s'en fout. Ah, j'ai eu peur. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau 9, hein. 76%, 77%. Ah, c'est horrible, c'est accéléré, c'est immonde. Je vais le mettre en x2 quand même, parce que... C'est un gameplay absolument passionnant que nous voyons. Au moins, ceux qui auront créé l'animation sur le tapis de course, je leur rends justice. C'est comme ça que je le vois. Parce qu'elle est belle, cette animation, quand même, merde. Ah, on quittera pas tant qu'elle est pas de niveau 9. Hein. Ce no gameplay de l'amour, quoi. Johnny Depp Shirley, agent T-Dex. Oh. Discord des Sims. Ah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, Adron. T'es pas... Est-ce que tu es game changer? Je ne pense pas. Will Tippin, exactement! C'est Will Tippin dans machin, je sais plus comment ça s'appelle. Ah non, elle est rinted. Ah, 12%! Nuage! Oh putain, mais... Mais va te coucher, toi, mais bordel! Y a rien qui va. Il me gonfle, ces gosses! J'en ai marre. Ça s'arrête jamais. Tiens, gamelle pour chien. Et l'autre? L'autre, elle est partie se pioter. Allez, viens manger aussi pendant que c'est servi. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais qu'est-ce que tu vas... Mais toi, t'es fatiguée, mais va pas jouer avec ta gosse. Va dormir, mon sang. Elle aussi, elle va se coucher, là, allez. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu... Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Ah, les bambins, mais c'est un enfer. Mais je t'ai dit de venir bouffer. Putain, c'est pas vrai. Oh, je vais péter un câble. Arrête! Elle a déjà été pissée. Oh, écoute, je m'en fous. Va manger aussi un peu comme les chiens. Je fais pas chier. J'en ai marre. Pourquoi il me casse les pieds, là? Ah ouais, mais c'est parce qu'il y a des jumeaux. Quand il n'y a pas de jumeaux, j'arrive mieux à gérer. Là, j'en ai marre. Oui, bah tu casses les burnes aussi. Voilà. Tu iras te pioter après. Toi, tu manges. T'iras pisser également. Et t'iras dormir. Voilà, le programme est bon. Toi, tu t'intéresses pas aux gamines. Ça sert à rien, c'est moi qui gère. Va dormir. Par contre, elle a un body goal. Ok. C'est bon, là, les deux morpionnes, elles bouffent. Elle est où, elle? Je vous jure. Ah, la musique pour se détendre. Hein? Ah, faut rester zen dans la vie. Non, mais c'est pas un truc Sims officiel, ça m'étonnerait. Mais je suis sur plusieurs salons, oui. J'ai le droit d'être sur plusieurs salons Discord. Saleté! Si proche du but, la relou. J'ai une solution, c'est 4 murs. J'en ai pas pété un plomb. J'en ai marre, hein. Je vous... Là, heureusement qu'on arrête ici, hein.
Ouais, j'ai la fâcheuse tendance à vouloir m'occuper de chacun des Sims aussi, tu vois, hein. C'est pour ça que je pète un câble. Oh la vache. Oh la vache. Pause. Enregistré. C'est parfait, moi c'est ici que je vais vous laisser pour la rediff. Oh, d'ici la semaine prochaine, j'aurai relooké la saloperie de prune. Nos offenses pour celle du chat qui n'est pas là aujourd'hui. Mais on se retrouvera pour une prochaine fois. Avec les jumelles qui grandiront cette fois-ci, comme ça j'aurai la paix. Hein, ça sera fini. Allez, des bisous, à très bientôt. Ciao.